ici. Par quelle régie? Le petit monde de Montréal? Ah! Avant Montréal? C'est important qu'on garde notre supplément au loyer, nos subventions. Sinon, on va se retrouver encore après 30 ans. Dans la rue, ça n'a pas de sens. Là, on est rendu, malheureusement, à se battre. Pas seulement pour avoir de nouveaux logements, mais pour sauver les logements qu'on a déjà. On parle de 600 000 logements sociaux pour lesquels il faut se battre. Au Québec, on parle de 127 000 logements sociaux à défendre. C'est une bataille qui est énorme. Ce qu'on veut, c'est sauver nos logements, mais on veut aussi sauver la place des locataires à faible revenu dans ces logements-là. Ces logements-là, d'abord et avant tout, été construits pour loger les mal logés, les sans et sans abri. C'est pour ça que la seule allocation de ces logements-là, et ça, il ne faut pas perdre ça non plus. Ça commence maintenant, mais il n'y aura plus d'argent qui va être versé à ces logements sociaux-là. Cette année, il n'y a pas beaucoup de logements qui vont être touchés. Mais d'ici 4 ans, il va y avoir 75 000 à l'échelle du Canada. Et à terme, dans 10 ans, là, il ne restera même plus la moitié des logements sociaux du Canada et du Québec qui vont recevoir encore des subventions du fédéral. Mais d'ici 20 ans, il n'y en aura plus un seul qui va recevoir des subventions. Pour le droit.